beau moment de démocratie, parce que les 7 candidats étaient présents. C'est dommage qu'il manquait la 8e candidat pour justement débattre avec nous. Mais en tout cas, extrêmement intéressant. On a pu échanger. Bon, parfois, c'était un petit peu houleux, mais c'est l'exercice qui veut ça, je crois. Mais en tout cas, je crois que les Ajacciennes et les Ajacciens ont déjà pris la mesure de ce que pouvait être un débat municipal dans le cadre de cette élection précise et avoir entendu les arguments des uns et des autres qui ont pu être échangés de manière relativement claire. En tout cas, ça dépendait des moments. Mais moi, j'en retire quelque chose de très positif. La démocratie, c'est le débat d'idées, c'est surtout pas le débat des hommes. La politique, c'est pas la guerre, c'est des idées qui s'échangent dans l'agora, avec du public qui peut les entendre, les recevoir, les approuver ou les désapprouver, et même manifester leur désapprobation ou leur contentement. Donc c'est véritablement le cœur de la démocratie, ce genre de débat. Même si je vous le disais, parfois c'est un petit peu sportif, parfois c'est un petit peu houleux, on aimerait que ça soit plus calme et plus audible, mais c'est difficile de faire mieux, je dirais, dans des circonstances pareilles. Mais en tout cas, c'est toujours très intéressant.